الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va réviser, retourner vers les déclarations de Sidi Cheikh Mehdi Tijani, radiallahu anhu. Toute sa vie durant, il a parlé, il a éduqué, orienté. Mais dans ce livre, Kashf al-Hijab, il y a une forme de compilation. Ils ont retenu certaines de ses déclarations. Alors il a fait entre Alif, Ba, Ta, jusqu'à Ya. Donc avec chaque lettre, alors il a cité les déclarations de Sénéchal Rabdallah Anhu, commençant par cette lettre-là. Alors, pour les déclarations, ces citations qui ont commencé par Alif, par exemple, alors, il a cité Iza Samirtum Anni Shay, Fazinuhu Bimizani Shari, Fama Wafaka, Fakhuzuhu, Wama Khalafa Fatruku. Donc, Iza. Donc, avec la lettre Harf Alif, il a commencé avec cette déclaration. Avec la lettre Ba aussi, il a cité quelques déclarations. Et ainsi de suite, jusqu'à la lettre Ya. Pour vous dire que même ça, c'est une petite synthèse par rapport à tout ce que Sidi Cheikh Rabdallah Anhu il a dit. Alors il dit dans la lettre Kaf, par exemple, Kulushur akhazu anni min asri sahaba ila yawmin nafkhi fi s-sur. Tous les machaïrs, tous les chiots, quel que soit leur degré, quel que soit leur maqam, quel que soit leur science, ils ont tous puisé dans ma faïd, dans ma baraka, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné. Ils ont pris sur moi. Donc, quand Sénéchal Rabdallah Anhu il parle, il ne s'agit pas seulement des machaïrs, des chers qui vivaient avec lui, qui lui étaient contemporains. Il ne s'agit pas seulement des machaïrs, des chers qui sont venus après lui, mais depuis les Sahaba. Il a accepté quand même les Sahaba, mais tous les chers qui sont venus, ils ont pris leur faïd ou leur baraka ou leur lumière de Sayyidina Cheikh Mehdi Tijani Sharif Rabbiallah Ta'ala. Alors toujours sur la lettre K, il dit ma zakartu lakum fi hadha at-tariq waqi'un. Tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose qui va arriver. In salimna
min makrillahi, à une seule condition, que l'on ne tombe pas dans le piège, dans un piège. C'est quoi ce piège-là? Ce piège-là, on le retrouve dans les 23 chartes de la tariqa, telles que nous l'a appris Cheikhana al-Hajj Omar Foutidal, radiallahu ta'ala anhu. Alors, Adamul Amni min Makrillah, ça fait partie des conditions de la tariqa. Ne pas se dire que ça y est, j'ai pris la tariqa, je peux me permettre de tout faire. Ça y est, j'ai pris la tariqa, je peux ne pas être honnête avec les biens des autres. Quand quelqu'un me confie son argent, quand j'ai la possession de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, je peux en faire ce que je veux parce que j'ai pris la tariqa. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est Al-Amnu min Makrillah. J'ai pris la tariqa, je peux me permettre de ne pas être honnête avec les femmes. Qu'Allah nous préserve de ça. Quand on prend la tariqa, et surtout quand on prend la tariqa, on doit être honnête par rapport à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, surtout les femmes. Parce que c'est un chemin très rapide pour être exclu de la tariqa. Que Allah nous préserve de ça. Alors, Sénécha Rabdallah Anhu, il y en a d'autres. Il y a d'autres formes de travers que le Tijani, le disciple Tijani doit éviter. Alors il dit, tout ce que je vous ai dit, كُلُّ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ فِي هَذَا الطَّرِيقِ وَاقِعٌ. Ça va arriver. Tout ce que je vous ai dit, vous allez le voir. In salim. À une seule condition, qu'on ne tombe pas dans un piège. C'est quoi ce piège? C'est-à-dire, c'est dire que ça y est, j'ai pris la tariqa, je peux me permettre de tout faire. Non. فَرُسُلَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِمْ وَعُلُوِ مَنْصِبِهِمْ مَا أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ. Dit, même les prophètes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur maqama, ils n'ont jamais eu confiance à 100%. C'est-à-dire, ça y est, maintenant je peux me permettre de tout faire. Ils ont toujours eu la crainte d'Allah jusqu'à la dernière seconde de leur vie, jusqu'au dernier instant de leur vie. C'est ça le Tijani. Jamais se dire que ça y est, tout est bon pour moi, tout est garanti, tout est assuré. Le Tijani ne dit jamais ça. Sénécha Rabdallah Anou nous dit, allez, attention, même les prophètes, ala jalalati qadrihim wa ulwi mansibihim, malgré leur niveau très élevé, ils ne se sont jamais dit que ça y est, je suis un prophète, je suis garanti, mon paradis est garanti, Allah ne va jamais me punir, donc je peux faire ce que je veux. Non, au contraire, parce qu'ils sont des prophètes, donc ils fuient encore tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc ceux qui savent, plus ils craignent, plus. Alors le Tijani, donc tu as un niveau très élevé, donc tu dois éviter le plus tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas. Faut pas se dire que ça y est, quand je fais Hadrat Juma, on me pardonne tous mes péchés. Quand je m'assois dans un cercle de wazifa, on me pardonne tous mes péchés. Quand je prends mon chapelet, je fais le lazim le matin ou le soir, on me pardonne tous mes péchés. Quand je récite Yaman Azrael Jamil, on me pardonne tous mes péchés. Quand je récite Seyfiou, on me pardonne les péchés d'une année. Une fois, une année, deux fois, deux ans, trois fois, etc., etc. Ne pas se dire que quand je récite Inna Anzallahu fi Laylatil Qadri, Allah il me pardonne tous mes péchés, etc., etc. Non, malgré qu'il y a ces
garantie. Il y a ses faveurs, les disciples tiennent. Il doit encore plus à fuir les pièges de Shaitan et fuir les pièges de son nafs. Alors, ce n'est cher Abdullah Anou, c'est lui qui parle toujours. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit Allah au prophète? Subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْخَاسِرُونَ. Il dit que ceux qui ont la confiance totale sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut décider, ceux-là sont des gens qui sont perdus. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut changer ce qu'il fait. Même les prophètes, ils savaient que malgré qu'ils étaient des prophètes, ils pouvaient être dégradés. Il pouvait être, on a vu, Iblis, il avait beaucoup de science. Il avait adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon exceptionnelle. Et pourtant, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dégradé. Il l'a chassé de sa rahme. Donc, pour vous dire que, il y a des anges actuellement qui ne font que pleurer. Qui passent tout leur temps à pleurer parce qu'ils ont peur d'être dégradés comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dégradé Iblis. Et pourtant, Iblis, il avait beaucoup adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait fait beaucoup d'ibadah. Et un jour, il a été chassé de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-ayyazu billah, qu'Allah nous préserve de tout ça. Donc, le tijani, plus tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu fais des efforts, alors plus tu te dis que je ne suis pas encore sûr que parce que le problème c'est pas est-ce que ce que c'est Nechar Abdullah Anou dit c'est vrai, c'est pas ça le problème. Je l'avais dit à Paris lors du Maulud. Le problème c'est est-ce que je vais mourir dans la tariqa, c'est ça la question. Il n'y a personne qui t'a garanti que tu vas mourir dans la tariqa. Mais si tu meurs dans la tariqa, tu vas rencontrer tout ce que c'est Nechar Abdullah Anou, il t'a dit. Mais le problème, c'est de mourir dans la tariqa. C'est pour ça que les mashayikhs, ils disent tout ça. Il n'y a pas de garantie. C'est Nechar Abdullah Anou, il t'a dit, Adamul amni min makrillah. Donc, tous ceux qui ont pris la tariqa et qui passent leur temps à faire ce qu'ils veulent, ben, il n'y a rien qui leur garantit qu'ils vont mourir dans la tariqa. Il y en a qui ont encore leur chapelet alors qu'ils sont exclus de la tariqa depuis des lurettes. Que l'on nous préserve de tout ça. Ils sont excommuniés depuis des lurettes. Depuis très longtemps. Il n'y a rien qui vous garantit que vous allez mourir dans la tariqa. C'est Nechar Abdullah Anou, il a dit, tout ce que je vous ai dit, vous allez le voir. Ça va arriver, mais à une seule condition, ne pas tomber dans un piège. Et ce piège, c'est quoi? Al-amnu min makrillah. Qu'Allah nous préserve, inshallah, de ça, inshallah. Alors, il dit aussi, toujours dans la lettre Kaf, كل ما ذكرت لكم مما تفضل الله به على أصحابنا لم يكن بالنسبة لما هو مكتوم إلا كنقطة في بحر. Alors il dit là aussi au niveau de la lettre Kaf, kullu, ça commence par Kaf, tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai dit pour comme faveur pour les disciples Tijani, c'est rien du tout par rapport à ce qui est caché. C'est vraiment rien du tout, tout ce que Nechar Abdullah Anou il a dit, tout ce qu'on trouve dans les livres de la tariqa, que celui qui vient de prendre la tariqa, فَبَيْدَتُهُ تُبَاعُ أَخِي بِأَلْفِمْ. Celui qui vient de prendre la tariqa et qui n'a pas encore commencé de faire le lazim, il n'a pas encore commencé de faire la wazifa, il n'a pas encore assisté à une séance de Hadratul Juma, celui-là, Nechar Abdullah Anou, il a dit que
il a la valeur de 1000 awliya kamal. Il n'a même pas encore commencé. Ça fait partie de ce que nous a dit Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Il a dit que celui qui prend la tariqa, il va au paradis. Sa femme, ses enfants, celui qui lui a donné un mariage, ses beaux-parents, etc., etc., à condition que il ne déteste pas ses nechars de la anhu. Qu'est-ce qu'il a dit, ses nechars de la anhu? Il a dit que celui qui prend la tariqa et qui meurt dans la tariqa, il ne verra ni dans sa tombe, ni yawm al-qiyama, rien du tout qui lui fera peur. Il sera, tabarakallah, dans une aisance qu'on ne peut pas décrire. Qu'est-ce qu'il a dit, Sénécha Rabdallah Anhu? Que celui qui a pris la tariqa, avant de mourir, il va être wali. Et il a même dit plus, celui qui aime Sidna Shah Rabbilan, la yamut man yuhibu shaykhana, illa iza nala wilayat al-muna. Dans une autre version, illa iza kana wali al-bi'atina. Donc, tu aimes Sidna Shah Rabbilan, avant de mourir, tu seras wali, etc., etc. Mais Sidna Shah, il a dit, malgré tout ça, il dit que, comparé à ce qui est caché, c'est comme si c'était une goutte d'eau prise dans un océan. La goutte d'eau, si on la compare par rapport à l'eau qui reste dans l'océan. Et quand on parle de l'océan, il ne s'agit pas seulement de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique ou l'océan. Non, l'océan, tout ce qu'il y a comme eau de mer sur terre. Pour dire que, masha'Allah, cette tariqa, tabarakallah, on ne saura vraiment ce qu'il y a dans sa tariqa, dans cette tariqa, que yawm al-qiyamah. Quand tout le monde sera présent et qu'on appellera ces nechars radhiyallahu anhu, qu'on le désignera, on dira ya ayyuha al-mahshar, hadha imamukum alladhi kana maladukum minhu. Oh, vous assemblez, voici l'imam qui vous donnait les flux, qui vous donnait la lumière, par qui passait la lumière que vous receviez. Cette lumière qui est dans la haqiqat al-Muhammadiyya, cette lumière qui part de la hadrat de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui passe par la hadrat al-Anbiya, et tout ce qui passe par la hadrat al-Anbiya, ça passe par la hadrat sinashar tatalakka hazati. Alors, c'est moi qui réceptionne toute cette lumière. Et c'est à partir de moi, ce n'est Shahmad Tijan Rabdallah Anou, que chacun il goûte ce qu'il a à goûter. Celui qui mérite une cuillère, il aura une cuillère. Celui qui mérite un verre d'eau, il aura un verre d'eau. Celui qui mérite plus, il aura plus. Que là, il se fasse qu'on soit parmi ceux qui sont les mieux servis. Inch'Allah. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les déclarations de Sénéchal Abdelham, mais je vais retourner un peu vers la lettre Ta. Harf Ta, deuxième. Alif Ba Ta, donc c'est la troisième lettre. Pour dire quelque chose que j'ai l'habitude d'en parler dans mes discours. Il s'agit de la faïda. J'en ai parlé il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Rabdallah? Ta'ti faïdatun ala ashabi hatta yadkhul an-nas fi tariqatina afwajan afwajan. Sayyidina Rabdallah, il dit que la faïda va apparaître. Mes compagnons, mes disciples, ils vont avoir la faïda. La faïda, c'est le fait que les gens rentrent dans la tariqa en grand nombre. Il dit, ta'til faïda ala ashabi hatta yadkhula, jusqu'à rentrer
jusqu'à ce qu'il rende Annas ou les hommes fi tariqatina, dans notre tariqa, afwajan, afwajan, un grand nombre, afwajan. Vous voyez dans sourate Izaja, Nasrullah wa al-Fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillah afwajan. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait parlé de afwaj. Il avait fait allusion en même temps au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la dernière sourate qui a été révélée dans le Coran. Quand cette sourate a été révélée, Abu Bakr Sadiq radhiyallahu anhu, il a pleuré. Il s'est même caché dans sa maison pour continuer à pleurer. Et quand on lui a dit, pourquoi tu pleures tant alors qu'on a une sourate aussi merveilleuse, qu'est-ce qu'elle est jolie cette sourate. Izadia Anasrullahi, quand l'aide d'Allah arrivera, Walfat et la victoire, et que tu vois les gens, yadkhuluna, ils rentrent fi dinillahi, dans la religion d'Allah, afwajan, un grand nombre, fasabbih bihamdi rabbika. Alors, glorifie, chante la gloire de ton Seigneur. Wastaghfiru, et demande-lui pardon, innahu kana tawwaban. Lui, il aime ceux qui veulent se repentir. Alors, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, allez demander à Abu Bakr pourquoi il pleure. Ils sont retournés, ils lui ont demandé. Abu Bakr leur a dit que cette sourate m'a annoncé la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabas sont revenus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que y'a que Abu Bakr Sadiq qui a compris le sens de cette sourate. Effectivement, c'était la dernière sourate qui a été révélée. Mais afwajan, le mot afwajan qui montre que les gens, le moment où les gens, ils rentrent en grand nombre dans la tariqa. Sénéchal Radhiyallahu anhu, il en a parlé. Il a dit que ta'ti ala ashabina, ta'ti al-fayda ala ashabina. La fayda va venir, va arriver à mes disciples. Hatta yadkhul an-nas, jusqu'à ce que les gens, ils rentrent fi tariqatina, dans notre tariqa, afwajan, afwajan, un grand nombre. Donc la tariqa, ça fait partie des signes de cette tariqa, la notion de faïda. La faïda, c'est quelque chose qui a été annoncé par Sénéchal Radhiyallahu anhu. On ne peut pas contester à quelqu'un le fait d'avoir la faïda. Mais on ne peut pas aussi limiter cette faïda à un seul endroit, à une seule personne. La faïda, Sénéchal en a parlé, radhiyallahu anhu, il a dit qu'il y aura une époque où les gens ils vont rentrer dans la tariqa en nombre, mashallah, exceptionnel. Et la faïda, ça continue encore. Il peut y avoir la faïda en Afrique, en Europe, en France, aux États-Unis, etc., etc. Alors il dit, تأتي هذه الفيضة والناس في غاية ما يكونون من الضيق والشدة. Il dit cette faïda arrivera au moment où les gens ils vivront la crise, ils vivront des difficultés, ils vivront des problèmes. Donc, la crise que nous vivons actuellement, c'est une crise qui existe certes, mais ça annonce aussi cette faïda dont parlait Sénéchal Radhiyallahu. Il ne faut pas se dire que la faïda s'est produite et c'est fini. Non. Chaque tijani doit se dire que lui aussi, c'est un facteur potentiel pour contribuer à cette faïda. Non pas que se dire que la faïda provient de moi. Non. Il faut bannir le moi dans notre discours. Mais en sachant que tout a été dit par Sénéchal Radhiyallahu anhu. Et le fait que quelqu'un puisse participer à cette mouvance, c'est une chance, Inch'Allah, qu'il a obtenue de la part d'Allah. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez que Sénéchal Radhiyallahu anhu, il a beaucoup dit
Il n'a pas écrit de livre, c'est Nechard. Il n'a pas écrit de livre. Il n'a pas un livre, on dit que c'est écrit par ses Nechard. Mais il a beaucoup dit. On lui a posé beaucoup de questions. Et ceux qui lui ont posé des questions, ils ont pris des notes, ils ont écrit. Et il y en a qui ont beaucoup retenu ses paroles. Ils ont fait des livres avec, des poèmes, etc. etc. Masha'Allah. Et nous, on continue à profiter de la lumière de ces échecs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروا انه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصح والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.